la Manche pour le 37e congrès du Parti communiste. Je suis conseiller municipal de Cherbourg et étudiant à Rennes pour faire mes études et du coup très impliqué dans la mobilisation contre la voie El Khomri. C'est une mobilisation qui a mobilisé énormément sur la ville de Rennes, on l'a vu nationalement, qui a mobilisé les étudiants parce que nous sommes une génération qui connaissons déjà cette précarité qui va être encore plus imposée par la voie El Khomri. Les étudiants sont pour la plupart des étudiants salariés comme moi qui trimont et toute l'année pour payer nos études et qui ne nous satisfaisons pas des maigres bourses laissées par l'État. Et de fait, cette population déjà précarisée s'est engagée massivement contre la loi El Khomri pour tout simplement réclamer non seulement contester la loi El Khomri, mais aussi pour réclamer de nouveaux droits. Parce que les étudiants ne sont pas qu'une force de contestation, mais une force de proposition, les étudiants communistes particulièrement. À Rennes, des manifestations monstres qui ont mobilisé des universités, qui ont envoyé des milliers d'étudiants dans la rue. Et malheureusement, on l'a vu, une répression policière massive, dangereuse, qu'a fait aujourd'hui, je suis parti de l'équipe médicale, notre décompte monte à bientôt 300 blessés, dont 70 envoyés à l'hôpital. J'attends que le parti, après un congrès aussi grand, aussi massif, qui démontre une dynamique réelle d'adhésion et de jeunes, soit le parti qui propose le rassemblement, qui déjà pourra répondre aux aspirations. Nous devons être le parti de l'espoir pour l'ensemble de ce pays, et que le parti puisse enfin prendre une position claire sur les présidentielles et dans une dynamique pour les législatives et pour l'après.